Si t'as pas les moyens de t'acheter une vie sociale comme moi, joue au MMORPG. Salut à toi, œil qui me scrute. Multi-massive online role-playing game. Rien que prononcer ce mot, ça me fatigue. Le langage qui parle les joueurs du MMO. Tu comprends du premier coup. Cette fois, j'étais en peur. Non, je ne peux pas faire les courses là parce que je dois roxer du PVP avec du full skill RP, des vaisseaux et farmer des sangliers. Il m'a dit, viens ici. Attends ta joue et je vais te parler en gifle. Si tu veux finir un MMO, et ben tu bouffes pas, tu manges pas, tu chies pas, tu touches pas, tu sors pas et tu envoies paître tes parents. Comprendez qu'à picher. Y'a des milliards d'icônes autour de moi. Des textes, des icônes, des trucs qui bougent dans tous les sens. C'est quoi le délire là? J'ai que 10 doigts là, bordel, j'en ai pas 20. Faut que je joue avec mes doigts de pied aussi en même temps pour gérer toutes ces conneries. Les armures des meufs, c'est des bikinis en ferraille. C'est des fumées, c'est quoi? Ouais, moi quand je sors dans la rue, y'a personne qui se balade en maillot de bain. Je veux dire, la meuf, tu la mets à poil, c'est pareil. Qu'elle a une armure ou qu'elle en a pas, c'est la même chose. Si tu comptes jouer à MMO, quand tu veux plus sortir dans la vie réelle, ben je te donne un petit conseil. Si t'es un mec, tu crées une meuf sexy. Et si t'es une meuf, tu crées un mec sexy. Parce que tu vas voir ce cul devant toi pendant des heures, autant qu'il soit beau à regarder. MMO, écoute bien, écoute bien, Scott Chico. La prochaine fois que tu me prends tout mon temps, que tu me laisses pas le temps de manger, de boire, de sortir, de séduire et de me doucher, je vais aux États-Unis, je détruis Internet et je fous tout le monde devant Barbie. Désolé, j'étais tellement énervé que j'ai oublié de lécher une oreille. C'est toi qui veux, c'est toi qui veux, c'est toi qui veux. Tu peux mettre un like, tu peux mettre un like. Si le monde est quand tu tournes, quand tu joues pas, c'est quand tu t'arrêtes de jouer. Et développeur, vous êtes tarés, ça va pas.